Bienvenue sur R7. Ma création vient d'être validée par le service de vérification des fichiers. Voyons maintenant comment elle apparaît sur le site. Depuis mon dashboard, elle apparaît bien dans mon stock, mais allons voir l'œuvre dans la boutique. Nous voici sur la page d'accueil de la plateforme, et voici ma création. Elle comporte bel et bien une étoile rouge, ce qui indique qu'on peut la privatiser. Sur la page de la création, vous trouverez un bouton « Partage Facebook » ainsi qu'une sélection d'autres créations en cours. Deux options vous permettent de zoomer sur votre création, la loupe dynamique ou bien le zoom intégral. Des assistants sont là pour aider à appréhender les options. Avec celui-ci, vous avez un outil de rapport d'échelle pour comparer différentes tailles disponibles sur le site. Cela peut être très utile pour choisir le format idéal pour ses besoins. Le second vous montre les trois finitions disponibles, poster, poster avec marge et toile murale. Dans le bloc de sélection des tailles, vous retrouvez bien les trois tailles choisies lors de la création de l'article et un tarif qui s'actualise dynamiquement en fonction du modèle sélectionné. En privatisant l'œuvre, on nous propose bel et bien d'acheter l'œuvre en A3 pour 80€. Si je souhaite, je mets l'article dans mon panier. Voyons maintenant comment mon profil public apparaît avec cette création. Je vais maintenant retirer de la vente ponctuellement ma création. Depuis mon dashboard, je clique sur ma création et je confirme. L'œuvre est maintenant hors vente, même si elle reste visible. Sur sa page, toutes les options sont indisponibles. Bonne vente sur R7.